Parmi notre peuple, il existe un mot pour nommer un guerrier assez sage pour être juste, assez fort pour être magnanime. Un tel homme est appelé Sid. C'est du sang tumultueux de l'Espagne médiévale qu'est né le plus grand héros de tous les temps. La belle Chimène. C'était un amour si fort que la fureur d'un destin cruel ne put jamais en éteindre la flamme. Tu as payé ton honneur au prix de mon chagrin. Il n'y avait aucun autre remède pour moi. L'homme à qui tu as donné ton amour ne pouvait vivre sans honneur. Pourquoi es-tu venu, Rodrigue? Croyais-tu que la femme à qui tu as donné ton amour pouvait faire moins que tu n'as fait? Mon amour ne veut pas mourir. Alors tue-le! C'est à toi de tuer! Dis-moi que tu ne m'aimes pas! Là, parmi la pompe et les splendeurs de la cour d'Espagne, la loyauté inébranlable d'un homme illustra l'honneur de la chevalerie. Cet homme connaissait la chaleur de la passion et de l'amour, et pourtant, devant sa droiture inflexible, le roi lui-même tremblait. Faites-vous serment de n'avoir eu aucune part dans la perpétration de l'assassinat du roi Sanche? J'en donne ma parole! Si vous vous êtes parjuré, puissiez-vous mourir de la même mort que votre frère, frappé par derrière par la main d'un traître? Dites Amen! Ne me pousse pas à bout, Rodrigue de Vivar! Dites Amen! Veux-tu m'emmener avec toi? Mais maintenant, je n'ai nulle part où te conduire. Je t'aime, Rodrigue. Pour Alphonse! Pour l'Espagne! Pour Dieu! Pour Alphonse! Pour l'Espagne! Monumental. Il n'y a pas d'autre mot, ce film est monumental. Bonjour chers abonnés, et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter un film que j'ai là aussi en DVD qui s'appelle Le Cid. Le Cid qui est, comme je vous ai dit, vous avez vu la bande-annonce, qui est absolument fabuleux et monumental. C'est un film de Anthony Mann, réalisé en 1961. Anthony Mann, qui est très connu pour avoir fait de nombreux péplums à l'époque, notamment La Chute de l'Empire Romain. C'est un film qui est absolument incroyable, non seulement parce que c'est une super production américaine de l'époque, parce qu'il y a un casting dedans qui est absolument plus fantastique. Vous avez Charlton Heston dans le rôle du Cid, vous avez Sophia Loren, dans le rôle de Chimène des Asturies, mais aussi vous avez Genevieve Page dans le rôle de Doña Urraca, vous avez John Fraser dans le rôle de roi Alphonse, vous avez Ref Vallon dans le rôle du comte Ordóñez, et vous avez enfin aussi, je vous l'ai dit, Charles Weston dans le rôle du Cid. C'est absolument incroyable. Et c'est un film que j'aime, que j'apprécie beaucoup pour deux raisons. Déjà, quand j'étais gamin, j'étais petit, j'avais deux héros historiques que j'appréciais le plus que tout. C'était d'un côté, vous aviez Francis Drake, l'explorateur anglais, et il y avait le personnage du Cid.
le Cid, Don Rodrigo Díaz de Vivar, qui est peut-être pour moi l'archétype même du chevalier, et notamment que j'avais découvert, enfin, je vous l'avais déjà montré dans une vidéo à propos de Green Knight, avec ce livre qui s'appelle Les plus belles légendes du Moyen-Âge, où il y a pratiquement toutes les légendes du Moyen-Âge, et notamment eh bien, celle-ci qui est le Cid, la mort du Cid, et sa dernière bataille qu'il va livrer sous les murs de Valence contre les Sarrasins. Voilà. C'est une magnifique livre qui raconte, et c'est franchement, j'ai toujours apprécié cette légende. Légende qui en plus était, si je sais pas, là je vais parler plus pour les plus anciens. Pour les plus anciens, c'est fou, on va le mettre à côté. Si vous vous rappelez, il y avait un dessin animé aussi qui s'appelait Roddy le petit Cid, qui passait à la télévision. C'est aussi vraiment quelque chose, il n'y en a pas beaucoup qui s'en rappellent, ça les a pas vraiment marqués. Moi, j'adorais ce dessin animé, et à cause de ce personnage, voilà, qui s'appelait le Cid. C'est, alors oui, parce que c'est pas un héros qui a vraiment marqué le patrimoine français. Enfin, il y a eu bien sûr la pièce de Corneille en 1637, mais bon, il a pris le personnage, il en a fait quelque chose, une sorte de comédie, tragicomédie, enfin, on n'a jamais trop su dans quel sens Corneille a voulu amener sa pièce. Donc voilà, à partir de là, c'est pas un personnage qui a marqué notre histoire, alors voilà. C'est plutôt un personnage espagnol, hein. Si vous allez en Espagne, le Cid est un mythe, est vraiment une légende, un mythe national. Il y a surtout à Valence, il y a une grande statue consacrée au Cid. Là-bas, c'est une légende depuis des poèmes comme le fameux El Cantar del Mio Cid, ou alors ainsi de suite. Cid, qui est un personnage qui dit à son nom parce qu'il était à la fois, il combattait pour les chrétiens, mais aussi pour les morts. Et d'ailleurs, c'est les morts qui lui ont donné, les Sarrasins, qui lui ont donné ce surnom, El Said, qui ça veut dire le Seigneur, Seigneur El Said, parce qu'il a réussi à avoir sous sa férule, et il combattait à la fois comme ça pour l'Espagne, à la fois il y avait des gens qui étaient des musulmans et en même temps des chrétiens. C'est vraiment un excellent film. Voilà, alors l'histoire, ben c'est l'histoire, ben c'est un petit peu toute. C'est le film raconte un peu, ben, pas l'enfance, hein, mais vraiment l'histoire du Cid, comment il est devenu, comment il a conquis progressivement son trône de Valence, comment il s'est marié avec Chimène, comment aussi il a dû venger son père de la fronde. Voilà, vous savez très bien, vous savez, le père de Chimène, tout ça, qui a insulté, qui a souffleté comme ça le père de Rodrigue, bon, et puis Rodrigue qui défend l'honneur de son père, qui tue le père du Chimène qui sait plus quoi, est-ce qu'elle doit aimer Rodrigue, est-ce qu'elle doit, elle doit le haïr, etc. Enfin bon, tout ça est bien expliqué justement dans ce film, où ça donne un petit peu des situations compliquées. Voilà, même à un moment donné, Chimène qui envisage de retourner au couvent. Parce que, bon, elle accepte de l'épouser, mais ben voilà, elle a besoin de réfléchir. Et il y a cet amour-haine entre Rodrigue et Chimène. Hein. Voilà. Bon, jusqu'à arriver, ils vont se retrouver. Et puis elle va lui faire deux enfants quand même. Et puis, jusqu'à l'amour final, bref, vous connaissez l'histoire de ce film. C'est vraiment un film qui est absolument des plus magistraux, exceptionnels, tourné intégralement en Espagne. Et oui, c'est un film qui a été tourné en Espagne, voilà, surtout dans la région de Peñíscola. C'est pas vraiment Valence. Peñíscola, c'est un petit peu plus au Valence qu'est là. Peñíscola, je crois, c'est un peu plus au nord. On est à peu près dans la même région, mais il faut savoir que l'Espagne, bon, surtout en 1961, il y avait, voilà, c'est commencé à se développer un petit peu. Bon, il fallait trouver des endroits qui pouvaient ressembler
à Valence des temps médiévaux, et c'est vrai que Valence s'était développée quand même pas mal. Et il y avait un seul coin qui ressemblait un peu à ce qu'aurait pu être Valence à l'époque, c'est le fameux rocher de Peñíscola, avec cette ville au bord de la mer, ou en tout cas la mer, qui pouvait ressembler comme ça un petit peu à ce que pouvait être Valence au temps médiéval. Moi, j'apprécie beaucoup ce film, parce que c'est vraiment... alors, il y a une partie, bon, la partie, tout ça, honneur, mais il y a quand même des combats, il y a quand même des batailles, il y a des duels à l'épée entre le père de Rodrigue, ne serait-ce que, voilà, les duels judiciaires, les ordalies, tout ça, le tournoi, qui est magnifique, le moment en fait, puis bien sûr, la bataille, des batailles autour de Valence, hein, qui a je ne sais pas combien de figurants qui sont entraînés sur la plage, là, à cheval, à pied, voilà, c'est incroyable. J'ai vu pas mal de films, des péplums, de nombreux des péplums d'Anthony Mann, qui nécessitent beaucoup de figurants, mais là, je crois que c'est vraiment le film qui apparemment a mobilisé le plus de monde et le plus de figurants. Voilà, vous avez vu la bande-annonce, hein, que je vous ai passée juste avant. C'est fou. Quand on voit ça dans le film, c'est incroyable. Et en plus, ça avait été tourné en cinémascope. On le voit d'ailleurs, je pense que sur grand écran, vous voyez cette masse qui s'élance face à la mer, tout ça. C'est fort. C'est vraiment, ça devait être pris au trip. Mais ça reprend bien finalement la légende de tout reprend bien la légende comme ça du Cid, et même la fin, hein, vous savez que d'ailleurs telle qu'elle est racontée ici dans les plus belles légendes du Moyen-Âge, où effectivement vous savez qu'à la fin au cours du siège, vous savez que le Cid va se prendre une flèche dans le cœur, et puis il va mourir, mais il faut absolument pas croient qu'il est mort, MORT, hein. Oui, non, mais parce que là, non, mais il faut absolument pas qu'il est décédé, il faut qu'il croit qu'il est en vie, alors on va le mettre. Il va mourir quand même, on va rien dire aux hommes. On va le mettre sur son cheval blanc, éclatant, là, on va ouvrir les portes de la cité, et dans la lumière, il va apparaître avec son étendard. Et là, les hommes vont crier « Al-Sid, Al-Sayyid !» Parce que oui, il y avait des morts aussi, il y a les morts d'Al-Mutamid, parce que pour certaines raisons, il a réussi à avoir sous la même bannière des chrétiens et des musulmans, contre d'autres musulmans, plus fanatiques d'ailleurs, Ibn Youssouf. Et puis là, vous l'arrivez, il s'élance sur la plage, vous avez les hommes qui le suivent derrière, en poussant des clameurs, et puis les autres là qui sont là, qui lui ont peur, parce que là, c'est vraiment une image magnifique, montrer la force d'un chef qui conduit ses hommes, même dans la mort. C'est vraiment épique, et je crois que je sais pas si ça a été repris dans le cinéma actuel, il me semble pas d'ailleurs, mais là, à ce niveau là, c'est juste fabuleux, c'est fabuleux, on est emporté par le souffle épique de ce film, franchement, je vous le dis, c'est un film que je ne me lasse pas de regarder, déjà parce que je vous ai dit, c'est une légende que j'adore, c'est un personnage historique que j'admire, que j'ai toujours admiré, parce que dans l'histoire, dans la vraie histoire, le Cid, c'est un chevalier qui a toujours su faire une certaine preuve d'abnégation. Pour lui, il combattait pour l'Espagne, en se mettant un petit peu souvent au plus offrant. Il y a eu plein, hein, des chevaliers comme ça, il y en a eu, bon, William Wallace, on a Bertrand du Guesclin chez nous, ça là c'était un grand mot, c'était chevalier qui se mettait, voilà. Mais lui il combattait pour un idéal, il combattait pour l'Espagne, il combattait pour une Espagne qui soit à la fois pour des musulmans, à la fois pour des chrétiens. D'ailleurs son amitié avec Al-Mutamid, qui était quand même l'émir de Saragosse, montre qu'il était d'une tolérance incroyable.
Et d'ailleurs, c'est montré dans le film au début, quand il refuse de mettre à mort les prisonniers musulmans lors d'une bataille, dont Al-Mutamid, qui va devenir son ami, et c'est à cause de ça qu'il va qu'il va être jugé pour trahison. Pour trahison parce qu'il a refusé de mettre à mort des prisonniers. Et donc, il va falloir qu'ils subissent les conséquences, mais lui, fidèle à son idéal, je dirais pas de fraternité, mais montrer qu'on peut vivre en paix sur la même terre, mais combattre pour l'Espagne, combattre pour autre chose qui dépasse les simples égaux. Et c'est ce que nous apprend. Il y a tout dans le Cid, il y a de l'amour, il y a de la vengeance, il y a de l'honneur, surtout de l'honneur. On est en Espagne, donc il y a beaucoup d'honneur, de la bravoure, de la loyauté, du combat. Et puis, une grande dose une grande dose de monumentalité, je ne sais pas comment on peut dire. C'est quelque chose qu'on ne voit plus aujourd'hui dans le cinéma. Si on le voit, mais aujourd'hui, on utiliserait des artifices. À l'époque, on mobilisait des masses de gens qui venaient comme ça, et on reconstruisait, on reconduisait une bataille, quitte à la jouer, etc. Et ça, on voit quand même quand un film est à ce point, réussi. Voilà. Alors ça, c'était des super productions, c'était des blockbusters déjà, des années 60. Et qu'on aurait du mal à refaire aujourd'hui parce que voilà, il faudrait payer plein de figurants, il faudrait payer aujourd'hui. On sait que certains studios sont là en train de compter leurs sous. Bon, c'était 1961, on mettait c'était produit par Samuel Brownstone d'ailleurs. On sent que voilà, il y avait de l'argent à l'époque, on mettait du fric dans ce genre de film. Et on impliquait tout le monde comme ça pour faire des productions. Et je veux dire, le fait qu'ils ont tourné ça en Espagne, en plus sur le Cid, ça a permis d'avoir plein de figurants pour incarner, pour jouer dans un film qui célébrait un petit peu une des gloires de l'Espagne. Surtout qu'on est en 1961, je vous rappelle que le chef d'État de l'Espagne, ça s'appelait Général Franco. Donc vous imaginez que, même si c'est tourné quand même par des Américains, le fait qu'il y ait d'avoir un film sur un héros national, en plus, qui combat des musulmans fanatiques. Voilà. Bref, alors, à propos de ça, certains vont dire, oui, mais c'est un film anti-musulman. Non, pas du tout. Si vous vous rappelez, au contraire, le Cid, c'est un personnage, justement, un personnage qui incarne la paix, qui incarne la tolérance aussi, un esprit de tolérance. Et je veux dire, le vrai Cid combattait avec des guerriers musulmans sous sa bannière contre, c'est vrai, d'autres musulmans qui étaient un petit peu plus fanatisés et qui voulaient redonner la pureté. D'ailleurs, on le voit, Ben Youssouf, on voit que c'est un homme du désert, un homme qui s'est pas amolli dans les paradis, dans les plaisirs d'Espagne, mais au contraire qui veut relancer ses frères, ses co-religionnaires, leur redonner le souffle de la conquête en leur disant « Voilà, par Allah, c'est au début du film, on le voit là, avec vous êtes amolli, recombattez par Allah, etc. » Voilà, c'est justement c'est ça l'Espagne en vrai. C'est qu'elle avait tendance un petit peu à amollir les gens, parce que oui, le climat était beaucoup plus doux que dans les déserts d'Afrique du Nord ou du Moyen-Orient, et c'est vrai que l'Espagne était un petit peu à part dans cette époque. Bref, on reviendra un jour sur l'Espagne, j'espère, sur l'Espagne, l'histoire de l'Espagne musulmane que j'adore. Bref, donc le Cid, un très 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 grand film. Très grande super production qu'on voit très peu à la télé, malheureusement. Je l'ai pas vu souvent à la télé. C'est vrai qu'il dure très long, il dure 3 heures, plus de 3 heures, 3 heures 2 à peu près. Et pourtant, il y a un casting des plus prestigieux, Charlton Heston. Et puis aussi, c'est un film justement à propos de Charlton Heston, c'est un film qu'on cite pas beaucoup dans la filmographie de Charlton Heston.
On cite plus facilement des films comme Ben-Hur ou Les Dix Commandements, voilà. Mais jamais le Cid, on oublie qu'il a aussi incarné le Cid aux côtés de Sophia Loren. C'est quand même dans sa filmographie, c'est en plus. Voilà. Si vous pouvez vous le retrouver, moi vous l'avez, je l'ai en DVD. Si vous pouvez le revoir, revoyez-le. C'est vraiment, ne serait-ce que pour la bataille finale hein, sur la plage, au pied des murailles de ce qui est supposé être Valence, qui est en fait Peniscola, mais c'est cette bataille épique. Voilà, je pense qu'ils ont utilisé des moyens comme ça, avec des caméras qui font un travelling sur les figurants, tout ça, ça les accompagne, il y a des jolis mouvements devant, les cavalcades, tout ça, c'est vraiment puissant, puissant, puissant. Ce film est d'une puissance incroyable. Si vous pouvez voir ce film, voyez-le, c'est énorme. Je vous encourage à le revoir. Je ne sais pas s'il est présent, peut-être sur Netflix, regardez aussi, peut-être. En tout cas, si vous pouvez le trouver, moi je l'ai trouvé à la FNAC, sur le site de la FNAC. Le Cid, c'est à voir dans ces vidéothèques. Sur ce, mes amis, eh bien, un bon visionnage, puis passez un bon week-end, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Moi, je vous dis à bientôt.